Salut tout le monde, et 73-51 Dandy 33, 14 Bravo Charlie 33-01 Rémi en mobile, et là en sortie de Castillon-la-Bataille, direction la Dordogne, département 24. Il y a Nounours, Kimouve et Chocolat qui est en vacances de ce côté-là. Faut pas le dire, mais il y vient tous les ans. Voilà, Castillon-la-Bataille, sortie. Ah, j'entends que causer derrière. Attention, Nounours, Kimouve et Chocolat pour Dandy 33 qui appelle. Attention les stations fréquences pour Dandy 33 qui appelle en direction de la Dordogne. Quoique là, je suis un peu déjà en Dordogne. Dès qu'on passe Castillon-la-Bataille, paf, on y rentre. Alors deux fois, je lui ai demandé s'il sera en fréquence. Ah, il m'a donné l'adresse du rendez-vous, oui. L'heure aussi. Donc là, ça va être surprise, surprise. Attention, les stations fréquences pour Dandy 33 qui lance appel depuis la sortie de Castillon-la-Bataille en direction de la Dordogne. Attention, Billy 24 pour Dandy 33 qui t'appelle. On est dans son secteur. Attention, Billy 24 pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, Billy 24 pour Dandy 33 qui t'appelle. Là, on est vraiment pas loin de chez lui. Ah, il doit être en plein travail. Alors, c'est un OM, un patron, qui a équipé tous ses véhicules agricoles de tracteurs, de CIMI. Tous ses véhicules agricoles sont équipés CIMI. Eh bien, il a bien raison. Attention, station fréquence pour Dandy 33 qui lance appel depuis Pineuil. Attention, Nounours, Kimouve et Chocolat pour Dandy 33 qui t'appelle. Je commence à me demander s'il a vraiment mis la CIMI dans le mobile. Ou alors Kenny qui lui est tombé sur le coin du baigneur. Et que du coup il n'a que au QRA vacances. Si on suit ses vidéos, on voit qu'au QRA vacances, justement, il a le striker. Oh, je viens d'entendre du Roger Bip Multibip, les 73-51 à la station. Kikidi, les 73-51 la station de Dandy 33 là, en mobile sur la Dordogne. Bienvenue en Dordogne. Ah, chie trois coups.
Ben, je suis où? Ah ben, déjà sur la route. Zut, j'ai pas de lieu exact là à citer. Ah, je me balade là ce matin. Alors la station, je suis en plein dans les QRM, j'étais complètement perdu. J'ai juste entendu 73-51 et puis après, paf, ça a été complètement submergé par les QRM. Tout ça retourné de dindé d'endroit en espérant que là, ça aille mieux là de suite, maintenant, présentement. Oui, les QRM sont partis. Eh bien, c'est Angoulême, ça. Wow, ah non. Bon, attention, Nounours en qui met vos chocolats. Je suis pas loin du QTH. Je suis tout à côté. Ouais. Oui, monsieur. Oh, le voilà. Les 73-51, toi, Nounours. Ça y est, il est là, bon, ben, 51, Rémi. J'espère que ça va bien, que je te fais pas lever trop tôt. Oh, bah, de toute façon, j'étais déjà réveillé, alors. En ce moment, je suis dans une période de merde. Imagine que d'un seul coup, on te fasse bosser en nuit, alors que t'as toujours bossé en journée. Bon, ben, moi, c'est l'inverse. En ce moment, on me fait bosser en journée, je suis complètement claqué, et j'attaque après tout le week-end en suivant, en journée avec. Ouais, super. Ouais, c'est clair que c'est pas évident comme ça, les changements de poste... pas à l'improviste, mais presque. Quand t'es habitué à certains horaires, bah, ton corps s'est habitué, quoi. Ton corps change. C'est normal. Tu vieillis. Tu m'as fait peur sur le coup quand tu m'as dit ton corps change. Oh, je me suis dit, putain, tout à l'heure, on va être dans la cage aux folles, quoi. Ah, chie trois coups. Bon, t'es pas très loin parce que là, je suis en petite puissance. Enfin, de toute façon, le Lincoln, je suis toujours en petite puissance dessus. Je préfère fonctionner avec l'Alfa Lima derrière, mais bon, là, il est éteint. Et là, je dois être à quoi 4-5 watts, là, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que le RF Power est à 8h30. Oui, c'est ça, quoi. Ah, mais en fin de compte, tu dois être tout prêt, là. Ah, tellement près que j'ai quelque chose qui s'appelle l'escale là en face de moi. Ah mais t'es en avance, il est 8h15. Ouais c'est ça, 8h15. T'es tombé de ton lit ou quoi? Non, je suis quelqu'un qui aime toujours être en avance. C'est Donc je suis parti, allez 7h20 de chez moi. Ouais, 20, 25, ouais, c'est ça, oui, autour de ça, là, j'ai pas trop fait gaffe. Ouais, autour de ça, quoi. Donc, tranquillement sur la route, et puis voilà, quoi. 7h20 pour 7h30, alors que 7h20 pour 8h30, alors qu'il y a quoi 20 minutes de route. T'as peur d'arriver en retard, mais t'inquiète pas. Hein. 35 minutes, ça m'a fiché ce matin, tu vois. Et enfin, tu m'as dit 8h30, donc j'ai pris le premier horaire, au cas où tu serais tombé de ton lit. Ah, mais je pense que t'as pas vu le deuxième message. Sur le deuxième message, enfin le dernier, le tout dernier message, j'ai dit 8h30. Ah, excellent, quoi.
Mais c'est pas grave, j'ai eu le temps de flairer comme ça le bon air de la campagne tout au long de la route. J'ai eu le temps de profiter aussi, entre guillemets, de stations qui étaient sur le 19 AM et qui, pour qui, pourquoi, ont basculé sur le 19 AFM. J'ai trouvé ça super cuiro. Ah mais moi, j'ai pas basculé en tout cas, j'ai pas suivi, je suis resté en AM. Chez moi, chez tout le monde, le 19, c'est uniquement qu'en AM et pas plus. Hein. Ah bah oui, de toute façon, ça a toujours été en AM. Ça a toujours été en AM. Là, je sors de la Monzie-Saint-Martin. Et normalement, le prochain patelin, bah, c'est... normalement, c'est Gardonne, si je dis pas de bêtises. Donc je rapproche. Oui, de toute façon, toi, j'ai vu le signal. Ouais, il était à 7-8, quelque chose comme ça, là, sur le poste. Ouais, ben là tu m'arrives à 9. Justement, j'étais en train de regarder là à l'instant même. Et là, je fais une petite vidéo en même temps. voilà, je l'ai mis en bleu. Ah, ça pète hein, en bleu. L'éclairage est bon là, ça va. L'éclairage ambiant est bon, donc le bleu là passe bien quoi. Tu vois, c'est suivant les moments de la journée. Je choisis la couleur qui va la mieux. La nuit, par exemple, c'est plutôt le orange. Le jour avec le soleil et tout ça, j'ai plutôt passé sur le vert. Et là, le bleu, il est pas mal. Mais bon, le choix de la couleur, c'est surtout par rapport à la caméra. Quoi. Comme tu le sais, hein, les caméras, suivant les moments, les couleurs passent pas toujours très bien. Quoi. Affirmatif, les couleurs et aussi l'intensité de l'éclairage. Comme là, la dernière vidéo là, que j'avais mise en ligne, c'était en station fixe. Et quand il n'y a pas pas beaucoup de lumière voilà, dans la pièce, tu es obligé de réduire l'éclairage. Sinon, la caméra, elle se prend un trop-plein, on va dire, de lumière flashy qui vient du poste. Et ça rend dégueulasse en fin de compte à la caméra. Et non, t'as raison. Tu t'es garé où là pour l'escale? T'es garé sur la rue d'en face ou sur la grande avenue? Ou alors t'as pris la petite rue là où il y a le pont? Ah ben je suis sur le parking qui est juste en face. C'est-à-dire à côté du Super U, de Utile. Oui, je suis en train de regarder sur le mur, il y a marqué Utile dessus. Et là, je suis sur le parking, là au feu. Hein. C'est bien cette escale-là que tu parles. Ouais, mais c'est parce qu'il y a deux parkings. Il y en a un qui est, je crois, en face d'une boulangerie, le Fournil, je crois, un truc comme ça. Et après t'en as un autre qui est tout près du pont, mais alors un Super U, j'ai pas vu de Super U. Oh, quelque chose me dit que je suis peut-être pas au bon endroit. Si pourtant je vois marqué bar, tabac, PMU, escale, je suis vraiment au feu quoi. Vraiment au croisement avec un parking là qui est juste en face. Pourtant le GPS m'a envoyé ici là sur le téléphone, mais bon, tu sais un GPS hein, on sait ce que ça vaut quoi. Ah non mais de toute façon tu dois y être, de toute façon t'arrives à 9 plus 30. Moi j'arrive au feu qui vient de Bergerac, là il y a une mairie d'ailleurs. Ok, je vois la mairie dans ma diagonale droite hein. Et voilà, j'ai baissé complètement à zéro. Oh putain, d'accord, ok, ouais, je suis en face de toi là, pile. Putain, mais t'as sorti de l'humeur ce matin, quoi. Ah, il a QRT, je suis trop près, ça doit être trop saturé. Hein. Allez, j'arrive. Wow. Alors là on peut faire un DCTX. Hein. Là t'arrives à arriver jusqu'à mon push là. Vu la distance qu'il y a. Putain mais c'est incroyable mais vrai. Hein. Ça marche bien la CB quand même. Hein. Ah
bah t'as pas vu la 205 là, qui vient de passer avec la ML145 sur le capot avant? Non, faudra que je revoie sur la vidéo là parce que là j'ai la caméra de pare-brise qui tourne avec. Hein. Faudra que je regarde dessus. Hein. Allez, je coupe. Ok, moi aussi. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.